tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Maddy. Alors, rendez-vous qui va devenir, je pense, quotidien pour votre divination personnelle. Hein. Je trouve que c'était plutôt sympa de faire ça, ça change un peu. Donc, je vous montre les trois bagues que j'ai choisies. Alors, par contre, je ne sais pas du tout comment s'appelle cette pierre. Je suis désolée. Alors, elle a une partie argent et une partie verte. Ça, on va dire que c'est votre premier choix. La deuxième, alors ça, je sais comment ça s'appelle. Ça s'appelle une ammonite. Voilà, une bague en forme d'escargot, qui est une pierre qui est un petit peu en relation d'ailleurs avec les choses du passé. Hein. Voilà, donc couleur marron. Et la troisième, c'est le cristal de roche. Voilà, jolie pierre qui ressemble beaucoup à la lune, qui peut avoir d'ailleurs un reflet bleu de temps en temps. Voilà, donc choisissez votre bague, celle qui vous plaît davantage, davantage, oui, le plus, pardon. Et revenez ensuite, eh bien, découvrir ce que les prochains jours vous réservent. Et n'oubliez pas de me donner vos retours, ça me ferait très plaisir. Alors, le premier choix, donc je découvre en même temps que vous, hein, je n'ai pas regardé avant. Donc j'ai pris, non, je ne vous ai pas expliqué. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs, l'oracle lifestyle et les allusions de l'univers. Voilà. Et évidemment, je n'ai pas regardé avant. Comme je vous précise. Hein. Bon. Donc, je découvre en même temps que vous. Alors, si vous avez choisi cette bague-là, on va regarder ce qui vous attend. Les histoires de fécondité, de réconciliation. Ah, bah c'est plutôt amoureux, tiens. Écoutez, j'ai trois cartes qui vont dans le sens plutôt amoureux. Alors, fécondité, on peut, si vous n'êtes pas, on va dire, dans les projets de bébé, parce que, en fait, il y a deux cas. Si vous êtes une jeune femme, voilà, et si vous avez des projets de bébé, eh bien, ça va être mis à l'ordre du jour. Notamment, voilà, faire la paix, se retrouver avec, ici, vous voyez, vous avez deux personnes qui s'embrassent avec des histoires de roses et d'invitations. Donc très sentimental. En plus, c'est pas vraiment, vraiment pas fait exprès, comme d'habitude. Mais il y a les histoires de Saint-Valentin qui arrivent. Donc pour les jeunes femmes, les femmes en âge de faire des enfants, eh bien, il y a vraiment des projets amoureux et des projets de bébé. Alors, pour celles d'entre vous, ou même les messieurs, pardon, faut pas non plus que je sois féministe, qui ne sont pas du tout dans les projets bébés, eh bien, il y a simplement quelque chose qui fonctionne. Hein, fécondité, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. D'ailleurs, vous avez les fruits aussi sur la carte. Donc, effectivement, une invitation qui fonctionne, c'est-à-dire que si vous avez envie de sortir ou d'inviter quelqu'un, eh bien, vous allez vous retrouver. Voilà, donc quelque chose de très sentimental, une invitation au restaurant. Alors, faire la paix, ça peut être aussi dans les cas où vous aviez des petits soucis de couple ou simplement se retrouver. Bon, donc il n'y a pas forcément des histoires de réconciliation. C'est passer un bon moment ensemble et plutôt en amoureux. Voilà, donc premier état, résolument sentimental. OK? Le deuxième sur l'ammonite. Alors, ouverture cruelle et... Ah, il y a quelque chose là. Complètement différent, hein. Et quelque chose comme un accord. Alors, ouverture. Bon, ça, c'est une solution qui va être trouvée par rapport à une personne, on va dire, avec laquelle vous avez un problème. Il y a des histoires aussi d'écriture ou d'écrit ou d'accord ou de contrat. Avec un bébé, là aussi, c'est quelque chose qui se développe. Donc, moi, j'y vois la solution à un problème, la solution qui peut être actée, d'ailleurs, ou qui peut passer par des écrits ou des choses officielles en relation avec une personne qui vous cause du tort ou avec laquelle vous avez, encore une fois, un conflit ou un souci. Donc, une solution qui va être trouvée par rapport à une personne négative. D'accord? Et encore une fois, il y a vraiment une solution, encore une fois, actée, c'est important. OK? Le troisième, la pierre de lune. Ah ben justement, vous voyez, en plus c'est la pierre de la clairvoyance, hein, vous voyez. J'aurais pas pu mieux faire, je dirais. Alors la famille, ah, il y a des questions de rendez-vous là. Alors clairvoyance, donc ça c'est la voyance, c'est qu'elle le dire. Par rapport à un moment heureux, une fête en famille ou simplement un événement heureux familial, enfin bon, et qui est inscrit dans le temps. Alors pourquoi clairvoyance
C'est possible que ce soit simplement quelque chose qui va arriver, bah oui, dans le futur, ou sur lequel vous pouviez vous poser des questions. Ouais, peut-être que vous êtes posé la question par rapport à un événement heureux qui s'inscrit dans le temps. Bah, en tout cas, comment vous dire? Il y a quelque chose de bien qui arrive et qui est un événement familial. Voilà. Ok? Bon, donc finalement, plutôt des bonnes cartes. Je vais quand même aller, je ne le fais pas souvent, mais là, je vais quand même remettre une carte sur celui-là parce que, je sais pas, il y a un truc là. Les deux autres, j'ai vraiment pas besoin de re-recouvrir. Mais pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, je vais quand même rajouter une carte, si vous le voulez bien. Juste pour affiner un peu. Allez, ce sera le petit bonus de ceux qui ont choisi, celles qui ont choisi la pierre de lune. Alors là, il y a un petit oiseau qui vient boire au robinet. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est comme si, en fait, il y avait une... comment dirais-je? Une opportunité, voilà. Une opportunité d'étancher sa soif dans un contexte plutôt compliqué, j'ai l'impression. Ouais, alors je crois qu'en fait, c'est... Ouais, c'est ça. C'est en fait un moment heureux en famille. Et c'est en fait quelque chose auquel vous aspiriez ou dont vous aviez soif et qui n'arrive pas souvent. Et là, vous allez pouvoir étancher votre soif, vous voyez. Il y a une goutte qui sort du robinet, en tout cas. Vous allez avoir l'occasion de retrouver votre famille ou de vivre un événement, une cérémonie, un moment heureux dans un contexte qui peut être difficile d'ailleurs par rapport à cette famille. Et ça va vraiment quelque chose qui va vous faire du bien. Quelque chose auquel vous aspiriez et que jusqu'ici vous n'aviez pas. Hein? Voilà. Ok, bon, ben on va passer au second tirage maintenant, enfin plutôt au tirage proprement dit. Je vous retrouve tout de suite. Allez, on va aller regarder la famille royale. J'avais sorti dans des tirages précédents, malheureusement je ne me souviens plus lesquels, les histoires de rois malades. En fait, j'avais pensé à Joe, moi, vous voyez. Comme quoi, c'est toujours compliqué de mettre un nom sur les cartes. Et c'est vrai que tout ce qui est en relation avec la famille royale peut avoir une incidence, hein, très importante au niveau mondial, pour une raison que je ne m'explique pas forcément. C'est en fait plutôt comme une histoire, un petit peu d'éléments déclencheurs, voilà, ou de repères dans le temps. Hein, parce que par exemple, quand on regarde les textes prophétiques et notamment la Bible, eh bien, il y a des histoires de disparition de personnes gouvernantes. Et c'est un signe qui marque par exemple le début d'une guerre. Hein. C'est pour ça que ce qui se passe en Angleterre a son importance. Voilà, je voulais vous faire cette petite prévision. Vous savez que moi, je crois beaucoup aux textes prophétiques, que ce soit les visions de Daniel ou l'Apocalypse de Saint Jean. On va vers un conflit, d'ailleurs on pourra poser la question si vous voulez. Pas de panique, hein. De toute façon, je vois toujours pas de bombe nucléaire. Bon, donc... mais il y a des sortes de conflits auxquels je pense et qui sont importants. Allez, on y va. On va rester donc sur Charles. Donc je vais prendre le 32, la santé de Charles. On pourra prendre d'ailleurs ensuite, bah, je sais pas ce que je prends. Peut-être l'éclipse, on va regarder. Alors, un succès. 9 de cœur. C'est plutôt marrant parce que j'ai plutôt les histoires de succès amoureux là. Bon, ok. Alors, est-ce que c'est le cœur? Non, parce que c'est un cancer. Bon, écoute, on va voir. Hein. Alors, peut-être tout simplement que c'est sa femme qui le soutient. Ouais. Alors, la santé de Charles. Alors, je n'aime pas penser à lui, je l'aime pas du tout. C'était plein, mais enfin bon, je vais faire un effort pour le tirage. Bon, bah, il y a bien les histoires de femmes, effectivement. Sa conjointe. Bon, ça, c'est lui. Sa conjointe qui doit le soutenir. Hein. Ah, bah, encore, elle est encore là. Elle est encore là. Ouais, c'est un couple très amoureux quand même. Bon, ok. Dame de carreau, par contre. On est bien sur l'histoire de santé, là. Hein. Attendez, on va refaire. Dame de carreau, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Hein. Ouais. Ah, il y a son fils qui va venir le voir. D'accord. Il y a son fils qui va venir le voir. Alors, finalement, c'est pas la santé, la dame de carreau. Non. Mais je me demande si c'est pas. Comment elle s'appelle déjà? La femme de Harry, vous savez. J'ai oublié son prénom. Ouais, quand je suis en voyance, j'ai vraiment le cerveau logique qui se fait la malle.
L'actrice là, enfin bref, la femme de Harry, à mon avis, elle ne viendra pas. Mais il y a un des fils, et je pense que c'est Harry, parce que William, il est en Angleterre. Hein. Il y a un de ses fils qui va venir lui rendre visite, oui. Oui, mais sans sa femme. Ok. Alors, j'ai pas la santé qui est ressortie pour l'instant. J'arrive pas à la voir. Oui, voilà, c'est bien la famille. Oh là là. Ouais. Bon, bah, c'est grave ce qu'il a quand même. Hein. C'est grave. Hein. Oui, c'est grave. Et arrive à l'apprendre. Oui. Et il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Je vais vous faire un jeu. Donc, ok, pour l'instant, j'ai la visite du prince Harry, mais pas de sa femme, dont j'ai oublié le prénom. Mais bon, vous savez de qui il s'agit. Hein. Apparemment, la santé du roi Charles n'est pas bonne du tout. Hein. Du tout, du tout. Le 8 de pique, c'est la plus mauvaise carte du jeu. On va regarder avec le jeu d'éclipse. Alors, du coup, j'ai même pas regardé le thème du roi Charles, parce qu'en astrologie, c'est imparable. Hein. On voit très très vite les problèmes de santé, si c'est grave, si c'est pas grave, s'il va y avoir opération, etc. etc. Je n'ai pas regardé, je vous assure. J'ai regardé après pour moi. J'ai regardé ce que me disent les cartes. Alors, la santé du roi Charles, est-ce que ça va s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, bon, bah là, ok. Bon, il y a quand même le trèfle. Ouais, alors ça peut être le roi d'ailleurs. Je vous dis, j'aime pas le roi Charles, donc ça se trouve, c'est lui qui sort en crapaud, quoi. Ouais, vous voyez, c'est lui, hein, égoïste. Ouais, il me donne l'impression d'être quelqu'un d'extrêmement égoïste qui est né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est même pas une cuillère en argent, lui, c'est voilà. Complètement déconnecté de la réalité, quoi. Qui n'a jamais travaillé. Et à mon avis, il profitera pas très loin, très, très longtemps de son règne. Hein. Me semble vous l'avoir dit ça, je me souviens très bien. Je vous ai dit, vous verrez, il va pas rester très longtemps au pouvoir, 2, 3 ans, pas plus. Mais on va regarder. La santé du roi Charles. Alors, comment va-t-il ou comment va-t-il aller? Parce que maintenant, on sait qu'il y a un cancer. Bon, il n'est pas le seul, hein, il y a des millions de personnes qui ont un cancer. Attendez, mais apparemment, il y a un souci. Ah, voilà. Bon, alors. Prémonition. Oh! J'avais encore jamais sorti cette carte-là, vous voyez. Il y a une prémonition. Donc, alors, si on considère que le roi Charles est ici, ça veut dire que quelque part, il sent les choses ou il se doute de quelque chose. Là, il y a un sort amoureux. Bon, je pense que c'est sa camilla, là. Il y a une lettre. Oui. Et là, on a encore des choses cachées avec la lune. Hein. Il y a un jeu qui, enfin, comment dire, c'est un jeu qui est très amoureux. Hein. Moi, j'ai l'impression que sa femme, ouais, elle est vraiment très, très, très proche de lui. D'une façon ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le côté amoureux qui ressort, là. Alors, ça va peut-être les rapprocher encore. Bon, ce qu'on peut me dire pour la santé? On va rester par là. Et il y a des choses qu'on nous cache. Donc, on ne nous dit pas tout sur son état, hein. Ah, bah, dites voir, le diable, carrément. Oh là là. Alors, oh là là, pourquoi j'ai sorti ça, moi? Aucune idée. Ah, il y a l'eau bénite. Alors, c'est deux cartes complètement contradictoires. J'ai envie de dire même opposées. Mais enfin, ça fait penser quand même au prêtre, hein, aussi, hein. Bon, avec le diable, il est quand même mal parti. Il est quand même mal parti. On peut même y voir le diable qui se frotte les mains. Ouais, quelque chose qui va pas là. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qui se passe? La santé de Charles. Ah, à moins que. Attendez. Ah, ben, j'ai sorti 2 cartes. Attendez, je pense que la première. Sorcellerie. C'est curieux, j'ai des cartes diaboliques là-dedans, moi. Pourquoi? Pourquoi? C'est comme s'il allait demander finalement de ce côté-là, du côté infernal, une aide. C'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est possible, hein. Mais j'ai vraiment des histoires de sorcellerie et de trucs de diaboliques là. Alors, le dauphin, là, je verrais bien la chance. Une protection. Ou alors il s'estime être protégé. Ouais, c'est possible. De toute façon, ces gens-là, ils sont tous dans les mêmes milieux très dark. Hein. Mais j'ai quand même l'eau bénite, l'eau sacrée, l'eau bénite. L'eau bénite.
comprends pas là. Attendez. Charles. Ah, ça c'est vraiment bizarre. Ça c'est le repentir ou c'est le fait qu'on se rende coupable. Il y a des histoires de repentir là-dedans. Hein. Vous savez, je me demande. Ah, c'est peut-être pas ça. Je me demande s'il ne va pas aller confesser ses péchés. C'est curieux. Péché qui serait d'ailleurs en relation avec ça. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Là, il est gravement malade, apparemment. Il est gravement malade. Il le sait. Et il y a des choses qui lui pèsent sur la conscience. Je crois que c'est ça, en fait. Il y a des choses qui lui pèsent sur la conscience. Ce qui fait qu'il pourrait bien se repentir. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai là, hein, écoutez. Hein, voyez. Parce que là, j'ai quand même l'eau bénite. Et là, self-flagellation, c'est qu'on se donne la responsabilité de quelque chose. Hein. On se sent coupable. La force. Oui. Il y a une santé qui se dégrade. Alors, l'éclipse, il y en a une en mars, une en avril. Hein, une fin mars, une début avril. 25 mars, 8 avril, si ma mémoire est bonne. Il y en a deux d'éclipse. Et elle va être importante. Alors, j'ai quand même la force ici. La force, la résistance. Attends, ce qui sort là. Le karma. Ouais, non, il y a un truc. Hein. Il est en train de payer les erreurs passées, là. Oui, il est en train de, quelque part, de payer les erreurs passées. Donc, il est gravement malade. Hein. Alors. Oui. Alors, j'ai l'histoire de Vax. Je ne sais pas du tout s'il a pris la soupe ou pas. J'en ai aucune idée. Ça m'étonnerait, mais enfin bon. En tout cas, j'ai les histoires de pique ici. Bon, ok. On va demander, est-ce qu'il va aller mieux? Hein, parce que là, on tourne un peu en rond. Ouais, la peur. Hein, ouais. Donc, c'est pas bon au niveau de sa santé. Hein. Non, c'est pas bon du tout. Hein, avec les cartes que j'ai. Vous voyez, il a peur. Hein. Il a peur. Alors. Drunkness. Ah, il y a aussi peut-être des histoires d'addiction. Hein. Ouais. Il y a peut-être des histoires d'addiction, de poison. Ah oui, je sais que j'ai une carte pour le poison, mais j'ai des substances ici qui ne sont pas bonnes. Il y a quelque chose. Alors. Un voyage. À mon avis, il va peut-être être parti en voyage d'ailleurs. Pour aller ailleurs, se faire soigner, aller savoir. Oui, pour la réaliser un espoir. Attendez, je vais mettre les cartes comme ça parce que j'ai du mal à les. Vous voyez peut-être pas, mais j'ai du mal à les prendre. Et est-ce que ça va s'améliorer sa santé? Le jardin. Bon, ça peut être le printemps. Oui. Bon, apparemment, ça va s'améliorer. Après un voyage, hein. Je pense qu'il peut avoir faire un voyage pour aller voir des spécialistes, d'accord. Et justement, il va faire ce voyage parce qu'il va avoir très peur, je pense. Ouais. Alors, il y a l'histoire de cœur. Hein, il n'y a peut-être pas que le cancer. Hein. Il y a une impasse. Il y a quelque chose quand même. Hein. C'est une santé qui est en danger. Ouais, il est vraiment gravement malade. Je pense qu'il ira voir un spécialiste, apparemment. Que ça ira mieux. Que ça ira mieux. Mais j'ai quelque chose ici où il y a une impasse. Donc, ça ira mieux en partie, j'ai envie de dire. C'est curieux, ça fait deux fois qu'on me montre la carte de l'alcool. Est-ce qu'il n'aurait pas un problème de foie aussi? C'est un monsieur qui a bien vécu, hein? Donc on ne nous dit pas tout, hein? Mais moi j'ai ça qui sort. Ouais, et encore les histoires de voyage.
Bon, à un moment donné, je pense qu'il devra être se mettre au lit. Enfin, voilà. Bon, là, je sais que c'est la carte de Dream, mais moi, je vois le lit. Et on va beaucoup en parler, d'ailleurs. Ça va faire jaser. À un moment donné, il sera obligé de s'aliter, hein. Oui. Il sera obligé de s'aliter. Ah, et là, on a... je pense que c'est son fils, c'est... et Kate. William et Kate. Je pense que ce sont eux qui arrivent par la suite. Malédiction. Ouais, alors Kate, j'ai entendu dire qu'elle n'allait pas bien non plus. Bon, bah la santé se dégrade dans la famille royale, hein. Oui, elle se dégrade. Bon, apparemment pour Kate, je pense que elle, ça va aller. Q for all ills, c'est il va y avoir une solution qui va être trouvée pour Kate. Mais le fait que les deux arrivent dans le jeu, là, hein, il va y avoir des histoires de potentiellement de relais, quoi. Oui, de reprise, reprise de, bah, oui, succession, quoi, tout simplement, hein. Et changement, hein. Ouais, il y a un changement, hein, qui se prépare. Alors, il y a, ça peut d'ailleurs entraîner des conflits, d'une façon ou d'une autre, peut-être avec les deux autres, là, Harry et sa femme, là, Meghan. Ah, voilà, j'ai retrouvé son prénom. Harry et Meghan, c'est possible. Pourtant, vous voyez, dès que je parle de des deux autres, là, William et Kate, je pense que ça peut être une chance pour eux. Hein. Ouais. Bon, bah, je pense que le roi Charles n'a plus très longtemps. Hein. Il a plus très très longtemps. Attendez, on va prendre un autre jeu pour vérifier. Mais il est mal parti, le monsieur, hein, parce qu'il n'y a pas que le cancer. Hein. Ou alors, le cancer risque de toucher des organes en relation avec, bah, par exemple, le foie, parce que là, j'ai sorti quand même deux fois les cartes de l'alcool. On sait que le foie est un organe extrêmement important en concernant tout ce que, justement, tout ce qui est alcool. Donc, ou alors les organes digestifs, vous voyez. Enfin, il y a un truc qui peut toucher les organes, ces organes-là. Mais on ne nous le dit pas. Je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu, moi? Je vais peut-être prendre, ben je sais pas, franchement. Ben on va prendre ouais, on va prendre le Béline. Allez. La santé du roi Charles. Est-ce qu'il va guérir? Alors, présent et grâce. Oui, bon, d'accord. Présent et grâce. Ouais. Bon, on peut dire que, vous voyez, il y a, à un moment donné, il va aller mieux, je pense. Hein. Et puis après, ça va se dégrader. Enfin, c'est l'impression que j'ai, moi. Mais c'est grave, parce que, bon, trafic, oui, beauté, renommée, bon, ça c'est lui, élévation, bon, apparemment, effectivement. Alors, on va nous dire que ça va mieux, hein. On va nous dire que ça va mieux. Alors, le caducée, je sais que vraiment, ça c'est la carte des affaires, mais enfin, bon, ça fait aussi penser à la médecine, hein, le médecin, on peut y voir aussi un médecin renommé, ouais. Qui va faire un petit peu repartir les choses, mais je pense qu'il va passer par la case régime, lui. Hein. En tout cas, il y a des choses qu'il ne pourra plus faire. Je pense régime parce que quand on est malade, bah, on donne des conseils, des consignes plutôt. Donc, il sera plus libre de faire ce qu'il veut, le roi Charles. Ouais, alors amour, découverte, bon, ça peut être le cœur, trahison, oui. Ouais, c'est curieux, c'est comme si ça va générer des problèmes dans la famille royale. Hein. C'est curieux, hein. Mais l'état de santé du papa va créer des blocages et des conflits. Bon, alors pour l'instant, il ne me dit pas au niveau de sa santé. Ouais, il va y avoir beaucoup de stress. Bon, je vous dis, il y a une santé qui va finir par s'écrouler et qui va générer beaucoup de conflits internes au sein de la famille royale. C'est ce que je peux vous dire. Donc, au niveau de la santé, ben, bof, hein. Ça risque d'aller mieux dans un premier temps et ensuite de se dégrader. Assez rapidement, d'ailleurs, hein. On va demander à mon petit jeu, là. Combien de temps ça va se dégrader? Au bout de combien de temps ça va se dégrader? Bon, demain, ça m'étonnerait. Parce que j'ai toujours une coupe qui me dit une carte que je sens, une carte que je sens pas. En octobre, oui, bon, ça c'est possible par contre. Alors, on va regarder. Alors, la santé du roi Charles.
Bon, alors dans 7 jours, on aura des nouvelles. Dans 2 semaines aussi, on aura des communications. Bon, là, on va nous en donner des nouvelles rapidement. Bon, d'accord. Alors, la dégradation. Aujourd'hui, ouais, non, ça, il sort pas là, par contre. Il ne veut pas sortir. Ouais, non, moi, je reste sur octobre. Moi, ma coupe, elle était bonne. Hein. Sur octobre, effectivement, sur la fin d'année, il peut y avoir un souci. Ça paraît cohérent. Bon, vous voyez qu'en fait, il faut en prendre en laisser dans ce jeu-là. Bon, voilà. Donc, bof. Une dernière carte que l'on va sortir, qui va demander à l'oracle des corbeaux. On va remettre celui-là. On va nous dire les perspectives à moyen terme de la santé du roi. Je ne sais pas pourquoi il est toujours prince. Non, du roi. Du roi Charles. Les perspectives au niveau de sa santé. Lien et résistance. Marrant, j'ai encore le cœur là. C'est curieux. Hein. Il peut aussi avoir un problème de cœur. Hein. Bon, résistance, oui, d'accord. Pour l'instant, le cœur résiste. On peut dire ça comme ça. Alors, perspicacité. Bon, ça veut dire aussi qu'il y a une solution qui va être trouvée par rapport à un problème. Donc, c'est ce que je disais. À mon avis, dans un premier temps, ça va aller. Anticipation. Il va déjà... à mon avis, il va déjà préparer peut-être le relais. Hein. Réserve. Il y a un peu de ça aussi encore. Hein. Préparer les choses. Oui, il y a des choses qui vont se gâter. Hein. Bon, toujours la résistance. Bon, après, il me le dira pas apparemment. Il me le dira pas. Bon, il me dit quand même qu'à la fin, il y a un risque. D'accord. Bof, donc une santé, j'allais vérifier ça en astrologie très rapidement. Mais pas bon la santé, pas bon du tout. Bon, je pense qu'il va préparer le passage du relais à son fils William. C'est ce que je ressens. Voilà. Et je sens aussi que c'est quelque chose d'important. Bien, je vais arrêter donc ce tirage. Et puis je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.